Ok, yeah! Je vois ça comme bon texte, je suis pas présentable, je bois de la moissonnex, puis j'ai un problème mental. Les gens ont l'air de penser que j'ai le doux monde, un peu comme les aliens. J'ai autant des bonnes manières qu'un homme des cavernes. Je vois quand tu parles, on me pogne à la graine, puis j'ai mauvaise haleine. Je suis comme un homme de micro-magnon qui gronde pour aucune raison, comme une esthétique gros colon qui pète sa cloche parce que trop bu de poisson. J'ai l'air d'un crise de gros con comme Elvis Graton. Étant donné que je suis un gros cave, puis que je suis innocent, je fais souvent des pique-niques pendant qu'il y a des orages violents. Dehors l'autre jour, mon fromage cottage est parti au vent, comme toutes mes choses, car il y avait une tornade. Je sais pas, je pense que c'est comment, mais moi c'est sorti, et quand je fais des pique-niques, je crie après les goélands. Hein? Quand ils arrivent trop près de moi, je me donne un élan, puis je leur fais peur pour qu'ils s'envolent. Je me suis fait dire par plusieurs personnes que j'avais de la fou pis mongole. Aussitôt que j'arrive dans le parc, je crie pis tous les pigeons volent. Puis je leur crie après, j'ai pas de femme, car toutes les filles sont folles. Je me mets un masque de Jason, puis je me colle des putes pour qu'ils me consolent. Bon, c'est qui se et non, c'est une joke, ça m'énerve. Les femmes veulent toujours savoir quoi je pense. Je vais vous le dire, je pense à quoi, je pense à quoi. Je pense à des affaires insignifiantes qui sont loin d'être intelligentes. Fait que je semble que je pense à rien. Et nous, ils voulaient pas savoir à quoi je pense quand je me branle dans la chambre de bain, quand je m'infile dans le dent chez mes voisins pour me branler parce que je t'en manque pis que j'suis un gros coquin. Y'a rien qui m'excite tout le temps que me branler en dedans dans le jet pis les chiens pendant que je me branle en dedans chez mes voisins. J'suis détraqué, je sais bien, mais quand j'étais petit, je manquais d'autonomie, fait que j'ai presque subi une lobotomie. Tant donné que mon petit client t'a dit que mon cerveau était trop petit pis qu'il était tout ramolli. Après avoir pris des radiographies, au début, les médecins ont même essayé de me greffer le cerveau quelqu'un d'autre pis vu que je m'en viens trop intelligent. Pour un petit gars qui avait juste 7 ans, ils me l'ont retiré sur le champ pour me remettre le mien. Sauf qu'ils n'ont pas dû le remettre très bien, car aujourd'hui je suis un idiot et un crétin. Même quand je suis à jeun, j'ai grand Yves, manque de matière grise. À cause de ça, ça arrive souvent que des affaires brisent. Je répare tous les objets cassés de la même manière. Je vise l'objet en question, je le frappe pour le réparer. Fait que quand ma mère a eu des troubles cardiovasculaires pour que ma mère vive, quand j'ai su qu'elle avait des troubles cardiovasculaires, je me suis mis à varger dessus avec un coup de marteau de fer. Pour réparer son cœur, j'ai frappé dessus de longues heures le plus fort possible. Mais ça n'a pas marché à long, j'ai fait le bon possible pour faire passer sa mort sous le dos du COVID. C'est bon, c'est à cause du corona, je parle à cause que le domicile est mort à cause du COVID.